YouTube et bienvenue pour ce début d'aventure que nous allons faire ensemble et on est aussi actuellement sur Twitch, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et est-ce que les gens du chat, on va voir. Donc voilà, vous pouvez... Oh, ça me stresse. Ça y est, ça commence. Le jeu vient de commencer et je suis déjà stressé. Pourquoi? Pourquoi? Non! La, 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 la. Moi, ce que je trouve stressant, c'est qu'il n'y ait pas de mur. Pour la chambre? Là? Non, ça se... Ah! D'accord, je comprends mieux. Non, mais ça se fait dans les maisons. Hein. Ça me choque pas plus que ça, moi. Le pauvre n'a pas d'intimité. Mais t'as pas besoin... Mais t'as 8 ans hein. Depuis quand à 8 ans t'as besoin d'intimité? Babette. Gougou. Oh là, ça commence bien, dis donc. Ah, oh, j'aime bien sur les... T'as des taureaux sur les cartons. Ok, donc là, les... Soit il y a du steak de taureaux dans le salon, dans l'entrée. Soit les déménageurs sont des taureaux. Un rond grigrou. Non, c'est quoi? C'est rond gourmand ça? Oh, je sais plus. Ouais, c'est rond gourmand. Waouh. Coucou maman. Pourquoi maman, j'ai pas les mêmes couleurs de cheveux que toi? Je suis pas ton fils, maman, c'est ça? Bon, qu'est-ce qu'il y a? Des WC, des salles de bain? Je sais pas. Coucou mon cœur. Oh, mais tu portes déjà ton uniforme? C'est vrai que c'est ton premier jour dans la nouvelle école aujourd'hui. Je suis si contente pour toi. Mais j'ai bien peur que tu dois faire preuve d'un peu plus de patience. L'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Apparemment, ils ont envoyé quelque chose de très important à tous les nouveaux élèves. Mais on n'a encore rien reçu. Ding dong. Son père, c'est Tarak. Lol, ma bête. Quand on parle du loup Garok, va vite ouvrir, c'est sûrement pour toi. Bah dis donc. Allez, te presse pas, hein. Veuillez m'excuser, je me suis permis d'entrer. Mais vas-y, fais comme chez toi. C'est bon, le droit est ouvert au peuple. Lol, babette. Vous êtes Monsieur Isnor, je présume. Je suis sincèrement navré pour l'arrivée si tardive de vos documents d'inscription. Laissez-moi me présenter. Je me nomme Monsieur Clavel. Je suis le proviseur de l'Académie Raisin. Vous êtes le proviseur? Vous êtes venu personnellement chercher mon fils? C'est la moindre des choses. Bon, on sait que c'est pas mon père, vu qu'il a pas les mêmes cheveux que moi. Le proviseur est le premier responsable des bévues de son académie, après tout. Voici pour vous. À l'intérieur, vous trouverez les documents d'inscription ainsi qu'un plan. Vous vous êtes déplacé spécialement pour ça? Oh, il ne fallait pas. Mais puisque vous êtes là, laissez-moi au moins vous offrir quelque chose à boire. Eh ben, drac sévère là, madame. Hein? Oh non, je n'oserais m'imposer. Mon cœur, maman m'en parlait un instant avec le monsieur le proviseur. Oh. Ah donc, fini de te préparer pour l'école dans ta chambre, tu veux bien? Laisse les personnes adultes tranquilles. Maman, faut qu'elle paye l'entrée à l'école, tu comprends? C'est pas gratuit. Ça serait bête d'oublier ton sac et ton chapeau pour ton premier jour. Oui, bien sûr, hein. Bien sûr, maman. Par ici, monsieur Clavel. Volontiers. L'albabette. Et il a envie d'aller à l'école. En même temps, c'est pas grave, vu que lui, il a pas d'intimité. Ses parents non plus en ont pas. Oh, il y a un sac shiny. Il brille. Êtes-vous prêt à enfiler votre sac et votre chapeau? Ah oui.
Pourquoi je ne serais pas prêt? J'espère qu'on peut changer les vêtements parce que j'ai hâte. Ouvrez le menu principal en appuyant sur le bouton X. Ouais, bon, truc classique quoi. Par contre, moi je dis que plus on grandit dans Pokémon et moins on a d'argent. Avant on avait des murs, déjà, donc là il n'y a plus de murs. Avant on avait une télé, bon, y a toujours une télé. Mais avant on avait un ordinateur, maintenant on a des cahiers. On a une Switch. Et c'est marrant, pourquoi elle est blanche? Ah, parce que j'ai la roulette, sans doute. Ils auraient pu mettre la version Splatoon, ça aurait été marrant. Le mec, il a la version Splatoon dans le Pokémon. Regarde la taille de la maison, c'est un palace. Un palace, c'est un détail près, ouais. Oh mon cœur, te voilà enfin prêt pour ton premier jour d'école. Cet uniforme fait la fierté de notre établissement. Et je dois dire qu'il vous scie admirablement. Oh mais, où avais-je la tête? J'étais à deux doigts d'oublier de vous confier le plus important. Nous serons mieux à l'extérieur pour cela, suivez-moi. Ok, lui qui me donne le starter, tu imagines? Oh. Je ne vais pas savoir ce que le proviseur va te donner. Moi si, hein. Allons vite dehors. Et j'ai même pas le temps de réfléchir que tu me poses la question. Oh, c'est nul qu'ils aient pas fait la différence. Dans Let's Go, t'avais... Quand tu changeais les Joy-Con de ta console, ça a changé dans Let's Go, c'était marrant. C'est nul, Médo, du coup. T'as, ils pourraient garder les petits détails. Oh là 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 là. C'est compliqué quand même, hein. Allons, vous trois, montrez-vous. J'ai le droit de vomir. Chaque nouvel élève de l'académie ressent un Pokémon, c'est la tradition. Je vais donc vous demander de choisir votre premier partenaire parmi ces trois-là. Poussacha, le Pokémon chat-plante. Poussa. Je choisis le Pokémon Croco-feu. Et coiffe-t-on le Pokémon Caneton. Coiffe. J'ai, ouais, mes dos, je me doute. Comme vous pouvez le voir, ces trois Pokémon sont très dociles et bien éduqués. Observez donc. S'il ne lâche pas... Mais je sais pas parler. Hein. Observez donc, il ne me lâche pas d'une semelle. Ah, je dois prendre le feu. Et les bugs présents aussi, j'en ai vu des drôles. Plaît-il? Ça semble beaucoup intéressé à vous, monsieur Isner. Ah, à l'heure tourne. Je vais aimer rester pendant que vous réfléchissez à votre choix, mais... Le devoir m'appelle ailleurs. Je dois me rendre dans la maison lorsque vous aurez fait votre choix. Rejoignez-moi là-bas. Profitez de ce temps pour réfléchir. C'est une question qui ne doit pas être prise à la légère. C'est sa maison. Attends, c'est la maison du proviseur en face. Le proviseur habite en face de chez ma mère. Ah, en fait, ma mère, elle se tape vraiment tous les... En fait, tous les mamans de héros se tapent les professeurs des régions. Eh ben, dis donc. Sur ces belles paroles, à tout à l'heure. Mes hommages, madame. C'est celui que tu dois tuer. Tu es pas possible. Alors ça, le proviseur de ton école est vraiment très poli. Tu choisis un Pokémon parmi ces trois-là, ça ne peut pas être facile. Mais il s'est barré, je prends les trois et je me casse. Me faites pas chier. Il verra pas. Garde-le toujours sur toi, d'accord? Maman va faire des caleçons? Le Motismart. Ah ouais, maman, elle a cassé son PEL. Vous mettez le Motismart dans la poche d'objets rares. Un smartphone de dernière génération dans lequel un Pokémon du nom de Motismart a élu domicile contient toutes sortes d'applications bien pratiques. C'est un téléphone d'un écrit. Voyons voir la notice. Appuyez sur le bouton Y si vous avez perdu votre chemin. Oh!
Oh, c'est une carte. Voilà qui sera très utile. Prends bien soin de ton nouveau gadget. À plus tard, mon cœur. Elle a travaillé très tard pour te l'offrir. Ouais. Salut, voisine. Ce robinet sert à arroser le jardin. Il ne faut pas jouer avec sans demander la permission. Aïe, je suis vraiment un enfant de 8 ans. Putain, j'ai même pas le droit d'allumer un robinet, quoi. J'ai pas l'autorisation de mes parents. J'ai pas le droit d'utiliser un robinet. Le Multismart est un outil particulièrement pratique que la plupart des habitants de Paldea utilisent. En installant les applications, vous aurez accès à une grande variété de fonctionnalités. La carte vous permet d'offrir de nombreuses informations sur Paldea. Utilisez le stick droit lorsque la carte est ouverte pour orienter celle-ci dans la même direction que vous, afin de vous repérer plus aisément. Utilisez le stick gauche afin de déplacer la loupe sur la carte, puis appuyez sur le bouton A pour choisir votre destination. Les taxis volants vous permettent de rejoindre en un instant certains endroits que vous avez déjà visités auparavant, et les endroits accessibles sont indiqués par une forme d'aile, alors n'hésitez pas à les essayer. Afin de déplacer la loupe, appuyez sur A pour choisir votre destination. Ok. Donc là, c'est le moment où je suis et là où je dois aller, c'est ça. Ah, on voit les Pokémon qu'il y a sur la carte, c'est sympa ça. Bravo, ceci est un panneau. Un peu con ce croco. Ah, ça y est, je peux courir. C'est une bourgade sans prétention. Oh, ça fait du bien. La technique, c'est un truc de dingue. En te connectant à internet, tu peux rejoindre jusqu'à 3 personnes pour partir à l'aventure. Le quatrième mur est mort. Aïe. Ah non, c'est cool, le déplacement il est bien. Quand tu peux courir enfin là, c'est agréable. Ta la ta la ti ta ti ta la. Oh non. Mais dis-moi, à quel moment t'as envie de les enlever de leur environnement? Ils sont si mignons. Waouh. Toi, t'es un dresseur. Le croco, ouais, il est marrant. J'aime bien Chochodil. Non, il a pas encore fait son chant, mais cela ne saurait tarder. Je suis fort curieux de savoir qui sera son premier. Mais pourquoi il est si moche en évoluant? Pourquoi? Non. Salut, t'es nouveau dans le coin, je me trompe. Je dois bien avouer que je ne vous attendais pas si tôt. Monsieur, mais alors c'est... Je vous présente Monsieur Isner, il va rejoindre l'Académie de Théos aujourd'hui. Oh, mais bien sûr, c'est toi qui as aménagé dans la maison d'en face. Oh, j'avais super hâte de te rencontrer. Moi, je m'appelle Menzi. D'habitude, j'habite sur le campus de l'école, mais bon, t'es quand même mon nouveau voisin. Alors, devenons amis, t'es d'accord? Non. Ah, je voulais mettre non. Putain, pourquoi j'ai pas pu mettre non? Pourquoi quand j'ai fait les mettre, quand j'ai cliqué, j'ai mis non, ça m'a mis oui direct. Je suis deg. La déléguée des classes de l'académie. C'est également une dresseuse émérite de rang maître. Oui, j'adore les combats Pokémon, j'ai vraiment hâte qu'on en fasse un. Vous aurez tout le loisir de vous affronter plus tard, puisque vous serez dans la même classe. Alors. Je vais ouvrir. Je vais ouvrir les guillemets, mais. Comment ça, elle est de rang maître, mais elle va à l'école? C'est une école de dresseur ou c'est une école classique, style je vais faire des maths, sauf que j'ai un Pokémon en plus avec moi? Parce que si elle est déjà maître Pokémon,
Pourquoi elle va à l'école apprendre les Pokémon? C'est complètement con. Salut Sanctum, comment tu vas? Un excellent moyen de faire plus ample connaissance. Super, on va être dans la même classe. Super, on pourra combattre quand on veut. Sur ces bonnes paroles, Monsieur Isnor. Il me fait un peu penser à Gabriel Agreste, hein, pas bête, le Clavel. Avez-vous choisi quel Pokémon sera votre partenaire? Ça va bien, on peut jouer à Pokémon enfin, donc ça va bien. On a dit qu'on tuait le feu, hein. Désolé mon petit, tu vas mourir. Rip pour toi. C'est Chochodil, il dédie le feu. Je voulais... Choisissez-vous. Oui. Chocho. Bah moi aussi, je l'ai acheté. Je l'ai eu vendredi. Moi, je l'ai eu vendredi aussi. Sanctum. Mais j'ai travaillé ce week-end, donc pas pu y jouer. Vous avez choisi Chochodil. Vous voulez vous donner un surnom à Chochodil? Non. Bah, c'est bien. Il va être de type ténèbre. Il va être de type ténèbre, vu qu'on va le tuer. Enfin, de spectre, pardon. Oh, c'est trop mignon. Comment il arrive à tenir? C'est plus de l'équilibre là, hein. Il a de la glu sous les pattes. Ça marche quand tu prends un oiseau, pas un crocodile. Chochodil semble déjà vous adorer. Coucou François. Prenez bien soin de votre premier Pokémon, entendu? À ce propos, vous devez le mettre dans un objet que l'on appelle Pokéball. C'est indispensable. Acheté il y a une heure pour moi. Ça parlait de ça au taf, du coup, pas résister. Isnor, alors comme ça, t'as choisi Chochodil. T'as fait le bon choix. Je trouve que vous allez super bien ensemble. Je suis sûr que t'es une hypocrite et que tu m'aurais dit ça si j'aurais pris n'importe lequel. Monsieur Clavel, je peux en choisir un, moi aussi. Mais t'es maître Pokémon. Pourquoi t'as besoin d'avoir un Pokémon? Comment t'es atteint le rang maître? Sans Pokémon. Oh, ils m'ont perdu là. Voyons, n'avez-vous pas déjà reçu un Pokémon dans votre... Ah, merci. Eh bien non, j'avais déjà un autre Pokémon, donc je voulais m'occuper à l'époque. Donc, je n'en ai jamais reçu. C'est pourquoi je voudrais repartir de zéro et entraîner un nouveau partenaire en même temps que Isnor. Votre dévotion est tout à votre honneur. Je serais ravi que vous partiez sur un pied d'égalité avec Isnor. Youpi! Oh, le maître Pokémon qui dit bon ben j'ai plus de Pokémon, je reprends un Pokémon de merde et je vais être... Mais on s'en fout que son Pokémon il soit nul. Si elle a de l'expérience, ça sera forcément meilleur que moi. C'est quand même de la triche. Alors je vais prendre celui-là parce que je suis nul en stratégie. J'ai été maître Pokémon, mais je suis trop nul en stratégie, alors je vais prendre le type faible face à Isnor, tu comprends? Où ça? Ils sont tous chelous dans ce Pokémon. Bon. Maintenant qu'on a nos partenaires, il faut absolument qu'on se fasse un combat. Je t'attends sur la plage, rejoins-moi là-bas quand tu es prêt. Là, le Sanctum. Mademoiselle Mandy possède une passion débordante pour les combats Pokémon. Acceptez donc son défi. C'est un très bon moyen de renforcer vos liens avec votre Pokémon. Le premier combat Pokémon. Ouais, c'est ici que je dois aller. Définir comme destination. Ça fait quoi du coup? Un seul marque sur la map. J'aime beaucoup. La minimap est sympa. J'avoue que j'aime beaucoup la minimap. Un spray qui sonne. J'aime beaucoup l'affichage aussi au milieu. C'est très joli. Hé, par ici! À partir du moment où un partenaire Pokémon, on devient un dresseur. Et un dresseur, ça fait combattre ses Pokémon pour qu'ils deviennent plus forts. Isnor, t'es prêt pour le combat?
Oui. Super. On va enfin passer aux choses sérieuses. Bon, quel Pokémon je vais choisir? Mais t'en as qu'un, connasse. C'est le pouce à chat. Mademoiselle Menzi. N'oubliez pas que Yesnor débute tout juste dans le domaine. Oups, vous faites bien de me le rappeler. J'ai failli envoyer mon meilleur Pokémon. Dans ce cas, je vais envoyer celui dont j'ai choisi tout à l'heure pour son premier combat. Allez, battons. Vous avez battu Menzi, la dresseuse. Oh non, il m'a battu. Oh, tu te débrouilles bien. Ça alors, t'as gagné alors que c'est ton premier combat. T'es super doué. Tu vas devenir un dresseur hors pair. Ça, je te le garantis. Bon, puisqu'on est là, j'aimerais bien tester une autre stratégie. On se fait un autre combat. Si je puisse me permettre, je pense que Isnor et Chochodil ont besoin de reprendre des forces. Oups. Oups, je me suis laissé emporter par mon enthousiasme. Pardon Isnor, désolé Chochodil. Tu peux compter sur moi. Vous venez à peine de vous rencontrer, mais je constate que vous entendez à merveille. Mademoiselle Menzi, je compte sur vous pour guider notre jeune ami. Il a tout à apprendre d'une dresseur de rang maître comme vous. Ça marche. Batisnor, j'ai un truc pour toi. Merde, j'ai inversé les voix. Au fait, Isnor, j'ai un truc pour toi. Ça devrait t'aider pour débuter. C'est une application. T'as un téléphone. Passe-le-moi, je vais te l'installer. Vous pouvez maintenant ouvrir le Pokédex de votre mode Smart. L'appli Pokédex enregistre automatiquement tous les Pokémon que tu captures. Bof, tu verras, tu peux les inverser. Elle a mué. C'est notre professeur principal, Monsieur Jack. Jacku. Jacku, ouais, je trouve ça. Qui l'a développé. C'est une application super pratique. Tu vas avoir besoin pour devenir dresseur. Pour devenir un vrai dresseur Pokémon. De mon temps, nous devions rédiger notre Pokédex à la main dans des cahiers. Je dois avouer que ces nouvelles technologies nous rendent la vie bien plus facile. Vous deviez tout écrire à la main? Oh, ça devait être galère. J'imagine même pas. Oh oh oh. C'était une autre époque. Coucou Ratafia. Mais s'il y a bien une chose qui n'a pas changé, c'est l'émerveillement que nous ressentons quand notre regard croise celui d'un nouveau Pokémon. Vous en ferez l'expérience, vous aussi. Et vous verrez à mesure que votre Pokédex se remplira, vous percerez au fond de vous réel sentiment d'accomplissement. Il ne tient maintenant qu'à vous de dépolier vos meilleurs efforts pour compléter votre Pokédex. Sur ces belles paroles, je vous laisse. Je dois aller m'entretenir avec vos parents. Mademoiselle Menzi, puis-je compter sur vous pour accompagner Isnor à l'académie? Vous me rendriez un grand service. Bien sûr, sans problème. Vous m'envoyez ravi. Quant à toi, viens donc avec moi. Personne ne veut de toi. Tu es le maillon faible, au revoir. J'aime les combats plus que tout. Mais c'est vrai que remplir le Pokédex, ça compte aussi. D'ailleurs, je pense à un truc. Tu n'as pas encore capturé de Pokémon sauvage, j'imagine. Je vais te montrer comment on fait. On ira à l'école après. Suis-moi.
Non, Ratafia, pas ici. Appuie sur le bouton moins pour ouvrir l'application Pokédex de votre Motismart. Ok. Merci à tous et au revoir. On se retrouve sur Twitch si vous voulez en voir plus ou à un prochain épisode.